suis extrêmement reconnaissant à tout le monde, mais je suis reconnaissant à l'art. Parce que ça me donne la raison de vivre et ça me donne du bonheur tous les jours. Je voudrais... on a deux expositions qui sont très différentes et j'aimerais remercier d'abord à mon très cher ami Bernard Blisten, le directeur du Centre Pompidou, qui était plus, pour moi le plus grand soutien pendant tout le temps de confinement où je me suis trouvée ici depuis mars sans ma famille de New York, sans voir mes enfants. Et je ne peux pas remercier plus à mon ami Bernard. Et quand on a décidé, quand j'ai décidé de faire cette folie et de faire cette exposition pour le projet d'Adrien Guénier, qui pour moi, c'est le plus grand peintre d'aujourd'hui, que je tiens, c'est mon troisième fils, qui malheureusement s'excuse. Le dernier moment, il a essayé d'aller à l'aéroport et c'était impossible de venir de Berlin. Et Bernard, avec une générosité d'esprit malgré son calendrier et les difficultés d'aujourd'hui dans son musée, partout, il a offert de venir, de me soutenir et de faire cette intervention pour un artiste qui nous est extrêmement cher à tous les deux. Je peux remercier Bernard toute la journée et je vais m'arrêter parce que je veux remercier l'écrivain Yannick Hanel, je veux remercier à l'éditeur Harry Jankovici qui a eu l'idée de ce projet magnifique, j'espère que vous le voyez en haut. Et je suis très reconnaissante d'être associée avec un artiste comme Adrien Guénier, avec tout ce qui est autour de lui. Et je remercie à toute mon équipe chez Tajan qui me soutient dans toute ma folie, dans toutes les idées folles de faire un lieu comme ça, ici, quand nous, en effet, on est une maison de vente, personne ne s'attend à ça. Mais ça, c'est devenu notre passion ici chez Tajan et tout le monde m'aide et tout le monde me soutient. Et j'ai le plus grand plaisir autour d'un artiste consacré comme Adrien Guénier de devenir le painting coach de Beaux-Arts parce que je trouve qu'il y a une nouvelle renaissance à Paris 100 ans plus tard où il y a des jeunes artistes qui viennent de partout, de Géorgie, d'Israël, de Beyrouth, d'Italie. Ils se retrouvent aux Beaux-Arts, ils sont devenus amis, ils s'inspirent, ils se soutiennent. Et je suis très, très ravie d'accueillir ici ces jeunes artistes talentueux et de faire cette exposition « Amis, muses, artistes ». Je remercie à tout le monde et j'aimerais accueillir et remercier à l'ambassadeur roumain qui a décidé de venir, Monsieur Nicolescu. Je veux remercier au galeriste Mihai Pop qui a créé avec Adrien Guénier la galerie Plan B parce qu'ils n'avaient pas de plan A en Roumanie. Après la Révolution. Et je veux remercier à tous les galeristes de Paris qui me soutiennent, on est tous devenus amis. Et voilà, merci à tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, excusez-moi. Je vous présente quelqu'un qui n'a pas besoin d'être présenté. Le directeur, le formidable directeur du Centre Pompidou, Bernard Blisten. J'ai remarqué, c'est une situation assez improbable. Un directeur de musée dans une salle de vente qui fait une conférence, un public qui est debout. Enfin, tout ça est totalement improbable. On va essayer de rendre cela quelque peu jouissif.
Il est vrai que je suis d'abord ici pour Rodica, dont j'ai beaucoup appris, dont je continue d'apprendre beaucoup. Nous nous engueulons vertement parfois, moi qui n'aime ou ne disais aimer que l'art conceptuel et elle qui dit n'aimer que la peinture, mais nous nous retrouvons autour d'une même passion qui est évidemment, vous le savez, celle de l'art de notre temps. Et je suis extrêmement touché de voir toute une bande d'amis ici que je connais depuis longtemps et dont j'ai aussi beaucoup appris. J'ai toujours dit que j'ai beaucoup plus appris, et c'est la vérité, du monde des galeries que je n'ai appris du monde des musées. Alors, l'exercice est extrêmement périlleux puisque je vais essayer de le structurer en deux temps. D'abord, en vous donnant quelques informations. Je suis prof, vous savez, donc quand on est prof, on a comme ça, comme des réflexes. Je m'imaginais avec une petite table, avec une petite lampe, etc. Et vous assis docilement pendant une heure. Je vais essayer donc de faire les choses autrement. À situation improbable, réponse tout aussi improbable. En vous donnant quelques informations sur Edgar Poe et sur la relation même que l'œuvre d'Edgar Poe à travers cet illustre poème qu'est The Raven, qui est donc le corbeau, certains artistes du temps passé ont de fait construit des interprétations multiples. Et puis, je vous donnerai aussi quelques informations sur l'œuvre elle-même, sur le poème lui-même, et Yannick Enel, pour qui j'ai une très grande admiration, qui a écrit nombre de grands textes sur l'art et qui vient de publier ce magnifique livre sur Adrien Guénier, nous fait l'amitié de bien vouloir échanger quelques instants donc, sur cette œuvre et sur la relation qu'il a entretenue à ce peintre. Alors, quelques images ici pour vous. Vous voyez, c'est très scolaire tout cela. Un portrait d'Edgar Poe, mort à 40 ans, vous le savez, le plus grand des poètes américains. Un homme de la province, hein, né à Boston et mort à Baltimore, un enfant orphelin. Et sa pierre tombale. Sa pierre tombale, pourquoi? Parce que sur sa pierre tombale, comme vous le voyez, il y a le corbeau. Le corbeau qui figure comme l'effigie continue au fil de son œuvre. Et puis, à côté, cette image tout à fait étonnante qui vous montre la gloire posthume d'Edgar Poe, le dévoilement de la nouvelle tombe hein, qui lui avait été consacrée dans le cimetière de Baltimore. C'est une histoire surprenante que l'histoire de Poe. Vous savez, il meurt à 40 ans dans la pauvreté la plus absolue. On n'a jamais trop su si en fait ce poème, Le Corbeau, était autobiographique. On n'a jamais trop su non plus de quoi finalement il était mort. Et pourtant ce poème lui avait apporté une gloire absolument gigantesque. Il avait été publié partout et il avait fait de Poe la figure tutélaire de la littérature et de la poésie américaine, sitôt traduit d'ailleurs par les grands romantiques, à commencer, vous le savez, par Baudelaire. Je vous lirai tout à l'heure un fragment de ce poème. Alors, si on change d'image, c'est vous qui pouvez le faire ou c'est moi? Que dois-je faire? Je l'ai fait. Je vous en remercie. Donc, on voit ici combien, dès les années 1845, qui est l'année donc de la publication du poème, les éditions sont nombreuses. Il a d'abord été publié, le poème, de manière tout à fait singulière, puisque, si vous le voulez, Poe n'avait évidemment pas de réel éditeur. Et en même temps, c'est un poème narratif dans la tradition, je dirais, d'une littérature de feuilleton. Et il a été publié la première fois en 1845 dans le New York Evening Mirror. Et puis, ce poème donc a connu des interprétations variées, des traductions aussi variées. On n'en connaît pas véritablement la genèse, car même si Poe lui-même a écrit un traité très, très important, qui découle quelque part d'ailleurs de ce poème, qui s'intitule « La philosophie de la composition », qui est un texte qu'il a publié l'année d'après, en 1846, il ne s'est pas véritablement expliqué sur cette œuvre qui est faite d'influences multiples. On dit Charles Dickens, très probablement d'ailleurs la vérité, à travers un roman peu connu de Dickens,
Dickens qui s'appelle Barnaby Rudge. On dit également une poétesse, Elizabeth Barrett Browning, qui est aussi une figure extrêmement importante de la poésie victorienne anglaise. Il est clair que les sources sont des sources absolument multiples. On va là aussi regarder immédiatement quelques illustrations pour vous montrer d'ailleurs justement que bon, il est somme toute assez difficile de s'attaquer à un pareil texte, et toute l'histoire de la littérature est traversée justement de ce type d'interprétation, peut-être encore plus le poème de Poe que beaucoup d'autres. Là, c'est l'illustration de John Tenniel, qui était une figure notable pour avoir travaillé sur des illustrations d'Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, on est typiquement dans quelque chose, je dirais, de profondément illustratif, au sens où il n'y a pas véritablement d'invention formelle. Vous voyez, on est en 1858, et vous allez le voir, les différentes interprétations vont suivre. Bien évidemment, c'est celle de Manet qui va retenir notre attention, qui est absolument extraordinaire, qui a connu là aussi différentes versions, avec, comme vous le remarquez ici, un portrait de Poe inventé par Manet, et les planches qui ornent ce livre de Manet sont parmi les plus extraordinaires. On peut en voir là, si vous voulez, quelques exemples. On voit ici un portrait extrêmement intéressant, d'ailleurs, qu'on retrouvera autour de l'image de Mallarmé. On voit là une illustration du thème même du poème, à savoir de ce corbeau qui entre par la fenêtre et qui vient se jucher sur une statue alors qu'il surprend le narrateur. Puis, chose aussi intéressante, pour continuer encore dans différentes illustrations, une autre absolument extraordinaire, celle avec le frontispice publié par Richard Lesclyde en 1875, qui est aussi tout à fait typique de cette écriture noire propre à l'art de Manet. Puis j'ai une autre planche aussi que je vais vous montrer, si vous la voyez bien de loin. Elle est d'une beauté absolument extraordinaire, puisque en fait elle prend aussi le sujet dans toute sa profondeur plutôt que de l'illustrer, et l'image devient une véritable hallucination, et le thème même quelque part du poème est bien évidemment celui de l'hallucination. Et puis après Manet, il y aura Gustave Doré, entre autres. Gustave Doré, bon, grand artiste, mais très illustrateur quelque part, qui, vous le voyez, à la fin du 19e siècle, va traduire dans différentes planches des moments même de ce long poème de Poe. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta pas, manière de suggérer l'entrée du corbeau dans l'espace du poète. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Le corbeau entre dans l'espace du poète comme il peut entrer dans la tête même, si vous voulez, du poète. Il y a aussi une autre planche que j'ai mis là, et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever jamais plus. Là aussi, une illustration du même ouvrage de 1884, avec toujours cette mort latente du poète au pied donc de la statue antique, parce qu'il y a aussi de l'antiquité dans cette histoire, les références antiques, et également donc le corbeau. Puis, chose intéressante, si on continue, on va voir qu'au début du XXe siècle, tout cela a continué avec, entre autres, cette illustration de John Neill, qui est un Américain. Bon, on a souvent pensé de Poe qu'il était anglais. Il était américain, n'oublions pas. Et je crois qu'il était fondamentalement américain même. Et donc, je crois que c'est intéressant de voir que dans le tournant du XXe siècle, il y a eu moult illustrations, dont celle ici de cet illustrateur américain. J'ai d'autres exemples aussi qui sont amusants, puisque très très vite, au cinéma et à l'époque bien évidemment du cinéma muet, ce cinéaste que j'ai découvert en travaillant pour vous, George Cochran Hazelton, qui a fait quelques films, semble-t-il, assez singuliers, à travers différents moments de l'œuvre, proposer une interprétation filmique, nous sommes en 1915, du poème
de Pau. Et puis là aussi, plus près de nous, hein, des bois gravés, quelque chose qui est aussi typique de ces années 20, une sorte de retour à l'ordre, à la tradition même du bois gravé. Et puis, pour continuer encore, le Corbeau au cinéma, qui va connaître une fortune critique tout à fait stupéfiante. Vous voyez, on y retrouve aussi bien Vincent Price et Boris Karloff que plus tard, hein, Pierre Fresnay. Vous imaginez Pierre Fresnay, hein, dans un film avec Ginette Leclerc. Hein, on voit la situation, on s'éloigne véritablement de l'imaginaire américain. Et puis, je voulais terminer, avant que de vous dire deux, trois choses sur le poème lui-même, en vous montrant deux choses. D'une part, cette image qui m'est chère, puisqu'il s'agit du grand tableau d'Adrien Gagnier. La photo est immonde, mais ça vous donnera envie d'aller le voir, le tableau que Rodica avait offert au Centre Pompidou, il y a de cela maintenant 4 ans, peut-être. Et puis aussi cette installation que j'ai présentée l'année dernière, qui est une installation tout à fait stupéfiante. J'avais été saisi en allant chez Adrien Gagnier à Berlin par cette chambre qu'il avait réalisée, qui était une interprétation du tableau de Rembrandt, du philosophe, que nous avions montré. Et à tout seigneur, tout honneur, la dernière image que je tenais à vous montrer était évidemment celle de Yannick Hennel et de ce beau livre, donc Adrien Gagnier, 2 points, déchaîner la peinture.